tia rupe la gogo mi vo mi no mudo. Mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves, souviens-toi que l'oiseau de proie va venir. L'oiseau de proie va s'approcher de toi. Il viendra dans ton lieu de travail. Il viendra au marché. Il viendra dans ta maison. Partout où tu seras, il viendra. Alors sois vigilant. Oh, la, la, no. Aye, da, la, yes, yeah. Achomuwa, no, se, na, la, be, ma, wa, la, la, no. Fato, yes, yeah. Achomuwa, no, se, na, la, be, ma, wa, la, la, no. Adela, yes, yeah, a chomoa no sinala, be ma wa la la no. Dela, yes, yeah, a chomoa no sinala, be ma wa la la no. Mie dak penon fofo. Tu as mis en nous ce qu'un l'homme. Miawe nyesi apeton. Le Yesu Kristo pankolama o nguti kokwe agade viu goloba poma la fiste à fiole la kikamo goto le Yesu Kristo pankoma dans le nom de Jésus-Christ le dessein de Dieu est réalisé pour les enfants de Dieu. Tout esprit de Satan est totalement brisé. Le Saint-Esprit est entré dans chaque maison. Tous les esprits qui ferment les portes de maison, empêchant l'esprit de Dieu d'agir dans cette maison. Aujourd'hui, cet esprit est détruit. Il est sorti en même temps. Et le Saint-Esprit remplit toutes les maisons. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, tu es présent chez tes enfants aujourd'hui afin de glorifier ton grand nom. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus, merci à toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 23. La parole dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Praise the Lord. Alléluia. Tous les enfants de Dieu, alors monsieur ou tout ce qu'on appelle serviteurs de Dieu, qui sont des hommes chers à Dieu, l'ennemi ne les surprendra point. Quel qu'il soit cet ennemi, il ne peut jamais te surprendre, toi enfant de Dieu. Tout ce qu'ils ont planifié aujourd'hui est totalement anéanti. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout méchant, on dit, ne l'opprimera point. Les desseins des méchants, leurs mauvaises pensées, tous leurs mauvais actes, quand ils les envoient, cela retournera sur lui-même. Dans le nom de Jésus-Christ. Car La Bible dit que celui qui renverse la vieille, c'est lui que le serpent mord. Et celui qui creuse, il tombera dans sa propre fosse. Ainsi, tout ce qu'ils ont projeté contre toi, aucun ne marchera. Et cela retombera sur eux-mêmes. C'est pour cela que tu dois te donner entièrement au Seigneur et de t'attacher sincèrement à Dieu, de vivre dans la sainteté, dans le dessein de Dieu, et que la fidélité règne dans ta vie à jamais, afin que Dieu te voie et qu'il fasse de toi un sujet de sa joie. Ainsi donc, quiconque on appelle ennemi, le méchant, il n'aura jamais part chez toi. Et tous leurs desseins, ce matin, et Dieu les a balayés, les a déposés sur eux. Les desseins de Satan l'ont assailli. Les desseins des vaudous les ont assaillis. Ce monde n'est pas au vaudou, car c'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Et c'est uniquement son dessein qui va se réaliser. Et si les vaudous sont détruits ce matin, les vaudous sont écrasés ce matin, et tous leurs agissements sont détruits aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, mon frère, ma soeur, quand tu te mettras debout, remercie l'Éternel et confie-toi à lui entièrement. Dis-lui, me voici. À partir d'aujourd'hui, je ne regarderai plus jamais derrière. Et je ne serai pas comme la femme de Lot, et pour être changé en statut de saint. Mais plutôt je regarderai droit devant moi, et je m'attacherai à toi, et je t'adorerai à jamais pour l'accomplissement de ton dessein dans ma vie, dans le nom de Jésus. Mets-toi debout maintenant et commence à le lire. Ferme tes yeux, lève tes saintes mains, commence à lui dire cela. Personne n'est plus grand que l'Éternel. Personne n'est plus puissant que l'Éternel. Et si l'Éternel lève son bras, et qui le rabaissera? Et si l'Éternel dit oui, et qui dira non? Où est-il celui-là? Et qu'on entende son nom. Personne n'existe. Le monde appartient à l'Éternel. Les cieux appartiennent à l'Éternel. La mer appartient à l'Éternel. La montagne sont à l'Éternel. Les vallées sont à l'Éternel. Les forêts sont à l'Éternel. Tout territoire appartient à l'Éternel. Pour cela, ce que l'Éternel a planifié, c'est ce qui se réalisera désormais. Ainsi, tous les desseins de Satan sont brisés. Mon frère, ma soeur, dis-le lui. Éternel, me voici. Envoie ta main vers moi aujourd'hui. Pose ta main sur moi aujourd'hui. Aujourd'hui, une lampe spéciale a brillé dans ma vie. Et la lumière a brillé dans ma vie. Et la chose est renouvelée. Et le dessein de Dieu s'est réalisé pour moi. Le désir de Dieu est opéré dans ma vie. Et je marcherai avec l'Éternel. Et je le servirai à jamais. Là et Jésus met dans la main, nous marcherons à toujours. Alors Seigneur, me voici. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi aujourd'hui, que je sois pur. Tout péché doit sortir de ma vie. Je renonce à tous ces péchés, et je sortirai dans la fidélité. Je marcherai toujours avec l'Éternel. Me voici. voici, à partir d'aujourd'hui, je marche avec l'Éternel. Et j'ai changé de mentalité. J'ai changé tous mes mauvais projets. Et je les rejette tous. Éternel, secours-moi ce matin. Éternel, sauve-moi ce matin. Sauve-moi du gouffre profond. Délivre-moi des grandes eaux. Délivre-moi des forêts. À partir d'aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. Éternel, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'être élevé. Merci à toi ce matin. Alors dis-le encore. Tourne-toi contre Satan. Tout esprit qui l'a envoyé contre toi et qui retourne vers lui. Les sorciers, les magies, la puissance des ténèbres, les esprits qui sont dans les eaux, les esprits des forêts, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient détruits, qu'ils soient brisés. Tout ce qu'il a envoyé, tous les points de contact du diable, qu'ils soient anéantis, que ses desseins soient détruits. Alors dis-le lui, Satan, tu n'arriveras jamais, car l'Éternel est avec moi. Dis-lui cela. L'Éternel est avec moi. Pour cela, tu ne me toucheras plus. Cette espèce de péché est consumée dans ma vie. L'adultère est consumé. Le vol est consumé. Le mensonge est consumé. Les mauvais desseins, tous sont consumés. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, et tu m'as donné la victoire aujourd'hui. Dans cette victoire, je suis allé de l'avant, je me suis multiplié, je me suis élargi. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus, merci à toi. Alléluia, yes, oh, dede, eko, mana, agbena, mawa, deke, emelio, aede, no, gbede, aede, yes, oh, dede, eko, mana, agbena. Aye, mawa, dake, amalio, aye, te, no, agbedo, gbede, gbede, eso, wala deko, mano, agbena, hallelujah, yesu, wode deko, mano, agbena, hallelujah, yesu, wode de echo mano ahapena hallelujah mawa de kemelio ayede no agbede gbede gbede ye eso wode de echo mano ahapena hallelujah mawa de kemelio ayede no agbede o gbede gbede ye eso odede eko mana agbena yijina kafu yeho continue de louer l'Éternel yijina suboy exalte-le adore odede ko mana agbena je vivrai que pour toi seul ne magano agbena ngbubu odeko je ne vivrai plus pour autre chose ne magano agbela jedada omola je ne vivrai plus dans le mensonge mana agbela nyata pototo mola je vivrai dans la vérité. Seigneur, merci à toi. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le grand héros. L'Éternel se lève. Ses ennemis sont dispersés. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. C'est toi le premier. C'est toi le dernier. Tout vient de toi. aujourd'hui, le monde entier, et j'ai constaté qu'ils s'attendent à l'éternel. Le monde s'attend à l'éternel. Pierre espère à l'éternel. Pierre espère à l'éternel. Le vent espère à l'éternel. Les espère à l'éternel. Tu es grand, tu es large, tu es coriace, tu es digne de gloire, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'honneur. Je te remercie et je célèbre ton grand nom. Merci à toi et tu es digne d'honneur. Merci à toi. Wano say Nelo, Hallelujah. Chomo wano say Nelo, Aye Anye Manyelo, Malaya si Oman. Chomo wano say Nelo, Anye Manyela, Malaya si Oman. Chomo wano say Nelo, Hallelujah. Chom. One say another. Yamahu Yashi, a Chomo, one who say another. Aye, Aye, Manyala, Malaya, Zero Mala, a Chomo, one who say another. Oh, Aye, Manyala, Malaya, Zero Mala, oh, Chomo, one who say another. Oh, Aye, Manyala. I say, oh, my love, oh, Chamo, when you see in a long, come that day and see young Tola, Ajia, Ne, Mako, Baliamada, I come that day, see young Tola, the Otajile, and Ne, Mako, Baliamada, Hallelujah, come that day, see young Tola. Zion Tojile, ne Marco Baliameda, yes ye come dade Zion Tola, Zion Tojilo, ne Marco Baliameda, Hallelujah, come dade Zion Tola, Zion Tojila, ne Marco Baliameda, aye come dade Zion Tola. Zion Tojile, ne Marco Baliameda. Notre Dieu, nous te remercions. Et tu nous as placés sur le mont Zion aujourd'hui. Une gloire éternelle est descendue sur nos vies. Car Dieu est Dieu, le roi des rois, l'éternel des armées, Alpha et l'Oméga. Merci à toi ce matin. Car tu as brisé complètement Satan sous nos pieds. Et toutes ses œuvres sont détruites. Pendant que les enfants de Dieu sont dans leur maison aujourd'hui, le Saint-Esprit est rentré dans toutes les maisons. Il est passé dans toutes les chambres. Et les points de contact de Satan sont brisés. Toutes les mauvaises œuvres sont anéanties. Et chaque enfant de Dieu, son cœur est réveillé. Et parce que le Saint-Esprit est entré dans tout le monde, et il agit en tout le monde. Aujourd'hui, la puissance du ciel est entrée dans chaque maison. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être loué. Car ton dessein s'est réalisé pour nous aujourd'hui. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Madagodo, Kanani Balaji, Madagodo, Mato Kutre Kuku, Baklava vie dodo kanani gbalaji madagodo ao kanani gbalaji la madagodo godo kanani gbalaji madagodo ye ma chokutre kuku baklava vie dodo kanani gbalaji madagodo ye ma chokutre kuku baklava vie dodo kanani Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, avec persévérance et sérieux, nous atteindrons la terre de Canaan. Dieu nous aime. C'est pour cela que Jésus est mort pour nous. Et le troisième jour, il ressuscita, afin que nous, nous ayons la vie éternelle. Préparons-nous donc à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Jésus a dit, si ma gbogbo koke alelo, ejima makugbere akpo. Jésus a dit, si ma gbogbo koke alelo, aye, ejima makugbere akpo. Anagbe, tegbe, anagbe, tegbe, anagbelo, ajima maku, oh, anagbe, tegbe, anagbe, tegbe, anagbe, ajima maku. Anagbe, tegbe, anagbelo, tegbe, anagbela, ajima amaku, oh, anagbe, tegbe, anagbelo, tegbe, anagbe, ajima maku. Après ton mien, après tu es Seigneur, voici nos cœurs. Le Saint-Esprit et qui remplit tout cœur. Alors ce cœur ne mourra jamais. Ce matin, introduis ta parole dans nos cœurs. Car la parole renferme la vie. La véritable vie est entrée dans chaque cœur aujourd'hui. Et donne-nous la bonne compréhension dans la parole. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Car tu nous as permis de comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Kakada jiblibo, wakle Yesu domelo, bado dola dola, ele wakle Yesu domela, asese, kake Yesu magle udio, nakbe dola dola, ele wakle Yesu dome, kakada jiblibo, ele wakle Yesu domelo, bado dola dola, ele wakle Yesu domela. Ah, c'est Gaka Yesu Magble Odio. Novi, ah, c'est Santoé. Gaka Yesu Magble Odio. Novi, ah, c'est Gaka Yesu Magble Odio. Novi, ah, c'est Santoro. Gaka Yesu Magble Odio. Novi, ah, c'est Gaka Yesu Magble Odio. Nagbeto, Toda, Toda. Allah, Wakble Yesu Dome. Kaka Daji Blibo. Allah wakla Yesu doma, bado dola dola. Allah wakla Yesu doma la, asesem, kake Yesu magla odio, nag bado dola dola. Hello, Asese gake yesu magbewo dio. Praise the Lord. Alléluia. Agbe vevela. La vie amère. L'on entend le Christ. Bien-aimé en Christ. Nous le voyons dans ce message. Ces deux personnages. Jacob. Qui sont Jacob. Et Job. Et amène souvent ceci à ta souvenance. Que ce qui s'est passé dans leur vie, et si la même chose t'arrivait, qu'est-ce que tu vas faire? Ce sont ces choses que nous sommes en train d'examiner. Et nous sondons toutes ces parties possibles. Et nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi il a envoyé ses anges. Et il leur a dit: allez et parcourez le monde. Examinez tous les êtres humains. Ce qu'ils font, ceux que vous trouverez en train de pleurer et poussant des soupirs et qui sont dans la douleur à cause des abominations qu'on commet dans le monde, alors faites une marque sur eux. Et il leur a dit encore: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront. Ils chancelleront en ayant de mauvaises pensées, en posant de mauvais pas, en se mettant en colère, en tenant de mauvais propos. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'elle s'abatte sur eux. Mais ceux que vous aurez marqués, eux, ils seront clairvoyants. Et ils pousseront des pas vers l'avant pour se multiplier et s'élargir. Quand viendra la ruine, elle ne les touchera jamais. Mon frère, ma soeur, de quel côté tu te trouves? N'attends pas tout simplement ces paroles. C'est pour cela que je te les répète tous les jours. Et pense sérieusement à ces paroles. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Quiconque fait la volonté de Dieu, il devient un véritable enfant de Dieu. Quiconque n'observe pas la volonté de Dieu, il sera jeté dehors. Examine bien cela. Jésus-Christ l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement. Examine bien cela. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorre arrivera pareillement. Et nous le voyons aussi. Toutes les paroles de Jésus, il dit pas même un seul iota ne sera retranché. Et c'est vrai. Je sais que les 50 ans derniers, les 30-40 année passée. Si on disait en ce temps-là qu'on va voter des lois et que les femmes vont se marier entre elles et que les hommes vont se marier entre eux, personne n'acceptera jamais cela. Les homosexuels se cachaient avant de s'adonner à leur vie là. Mais aujourd'hui, tout est ouvert. Et parce que les États approuvent cela. Dans tous les pays. Frères et sœurs, ce que Jésus a dit, c'est ce qui se réalise. Cela veut dire que de la même manière que Sodome et Gomorrhe ont été détruits, ce monde-ci sera détruit aussi. N'entends donc pas ces paroles tout simplement. Répands-toi et rapidement. Une certaine grâce fut donnée à ces deux hommes que Lot avait vu. Et parce qu'il disait épouser les filles de Lot. Et Lot est parti leur dire que ce pays sera détruit. Venez et partons. Ils se sont moqués parce que quoi qu'il disait épouser les filles de Lot, ils étaient toujours des homosexuels en cachette. Frères et sœurs, eux tous ont péri. Nous sommes arrivés à un certain niveau où la grâce de Dieu t'est accordée afin que tu te répandes. Si tu refuses, alors tu périras toi-même. Frères et sœurs, nous avons laissé de côté l'histoire du roi Asa. Mais ce qu'il a dit, cherchez l'Éternel, nous l'utilisons toujours. Et sérieusement. Car il est indispensable que chacun cherche l'Éternel. David pleure. Et parce que les jeunes sont entrés dans sa vie. Et on semait la confusion dans sa vie. Mais David n'a fait qu'une seule chose. Il s'est attaché sincèrement à l'Éternel. Et il criait à l'Éternel. L'Éternel eut pitié de lui. Et il sauva David. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Nous entrons dans un certain temps où l'Éternel a dit, je ferai coucher le soleil à midi. Et qui fera venir l'obscurité en plein jour. Et nous le voyons scindé en deux. Nous avons pris l'exemple de l'Égypte pour le comprendre ici. Cela aussi vient. Et les ténèbres spirituelles, nous les voyons aussi. Que les pensées de plusieurs sont dans les ténèbres. Et s'ils ne savent pas ce qu'ils ont comme réflexion, ils n'arrivent pas à identifier quoi que ce soit. Frères et sœurs, nous le voyons. Car le roi d'Israël, le prophète Élisée lui a dit cela. Que les Syriens se sont levés contre toi. Et on positionne leurs troupes dans tel lieu. Mais le roi d'Israël n'a pas demandé au prophète Élisée, prie, consulte l'Éternel pour moi, pour les stratégies à adopter. Il appela ses généraux et pour les envoyer dans ces lieux. Que voilà ce que Élisée a dit. Allez vérifier si c'est exact. Ils sont partis et sont revenus lui dire que c'est vrai. La Bible dit pas une fois ni deux fois. Mon frère, ma soeur, quand on va revenir à ceci, nous verrons ce que l'Éternel a fait. Quoi que nous laissons de côté beaucoup de choses, il n'y a pas de crainte à avoir. Quand le temps va venir, nous allons revenir à ces choses. Mon frère, ma soeur, nous voyons que l'Éternel était devant Israël et pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'Éternel était dans une grande nuée et il conduisait les enfants d'Israël. Et il leur a dit: nous allons traverser les territoires d'Édom. Quand ils sont arrivés à la frontière, l'Éternel a demandé à Moïse d'envoyer une lettre au roi d'Édom que nous allons traverser ta voie royale. Quand on mangera quelque chose, nous paierons le prix. Si nous buvons votre eau, nous paierons le prix. Mais le roi d'Édom répondit en ces termes: vous n'avez pas le droit de traverser mon territoire. Si jamais je vous vois fouler mon territoire, je vous massacrerai. Aussitôt avant de voir, voilà les Édomites qui sont armés et qui viennent. Quand ils les ont vus, l'Éternel s'est soulevé de devant les enfants d'Israël. Et il a dit à Moïse: suivez-moi et je vais vous faire un autre chemin. L'Éternel avait-il peur? Non. Frères et sœurs, ceci, ce que les Édomites ont fait, et c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Le fait qu'ils aient refusé de donner cet accès aux enfants d'Israël. Et voilà ces mêmes Édomites qui sont sur le territoire d'Israël et est devenu roi de leur Hérode. Et qui occupait le trône de David, le trône sur lequel Jésus-Christ viendra régner. Nous le voyons. Car l'Éternel avait dit à Rebecca et à Isaac: il y a deux personnalités dans ton sein qui se sépareront au sortir de ton sein. Car il se battait déjà dans le ventre. Et Rebecca se disait: n'est-ce pas ma mort prochaine? Alors consultez l'Éternel pour moi afin que je sache quoi faire. Et l'Éternel a dit: il s'agit de deux nations dans ton sein. Mais tu dois savoir que l'aîné sera assujetti au plus petit. L'un sera plus fort que l'autre. Frères et sœurs, c'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Et nous avions commencé par examiner la vie d'Ésaü jusque dans la vie de Jacob. Et nous avions atteint un niveau spécial quand nous avions commencé par voir certaines choses. Alors s'il te plaît, sois attentif à ces paroles qui sont très importantes. Le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 6. Nous allons y aller tout à l'heure, mais avant d'y aller, retournons à la découverte de la promesse qui a été faite qui était entre l'Éternel et Abraham. Et que Dieu et Abraham firent alliance. Retournons d'abord là-bas. Dans Genèse, le chapitre 15. Et reprenons à partir du verset 7. Car nous voyons des notions très importantes ici. Le verset 7 dit: L'Éternel lui dit encore: je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'où, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. L'Éternel parlait ainsi à Abraham. Et de l'alliance qui allait s'établir entre les deux. Le verset 8 dit: Abraham répondit: Seigneur l'Éternel, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Frères et sœurs, cette question, elle est très importante. À quoi connaîtrai-je que j'aurai ce pays ou cette terre en possession? Frères et sœurs, tout le monde. Et quand on parle du malheur et du bonheur plutôt, quand on parle de bénédiction, quand on parle d'avancement, quand on parle de multiplication, de l'élargissement, et quelle est l'espérance de celui à qui on dit cela? Pour l'avancement de mon travail, pour l'élargissement de ma vie, que je sois un chef. Alors celui-là, où à quoi je dois m'attendre? Plusieurs se diront que quand je vais poser un pas, la bénédiction va descendre en abondance. Quand je vais poser mon second pas, la porte s'ouvrira devant moi en même temps. Et quand je vais poser un autre pas, tous se diront: mais je suis là, viens, viens. Frères et sœurs, la question qu'Abraham a posée à l'Éternel, c'est une question importante qu'il a posée. Mais je voudrais te faire savoir que si tu examines tous ceux qui ont marché avec l'Éternel, et que l'Éternel a honoré ses promesses dans leur vie, ils ont été bénis, ils se sont multipliés, ils se sont élargis, ils sont devenus des grands. Ce que ces gens ont traversé, ce n'est pas de petites choses. Frères et sœurs, plusieurs n'arrivent pas à atteindre ces seuils. Pas que Dieu n'a pas formé un bon projet sur leur vie, mais parce que quand ces événements arrivaient, ils les prenaient comme un malheur, et comme de la cruauté, et comme du rejet. Ainsi donc, ils se sont mis en colère et ont tenu de mauvais propos, en posant de mauvais pas, et pour tout détruire finalement. Ok. Et la parole de Dieu a dit quelque chose dans Matthieu le chapitre 7, voyons les versets 13 et 14 avant de revenir ici. Parce que nous sommes en train de tout montrer maintenant. Matthieu chapitre 7. Les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Et car la porte est large et spacieux le chemin, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais ce chemin mène les gens dans la perdition. Ce n'est pas une simple affaire. Il continue en disant, mais étroite est la porte, resserré le chemin. La porte étroite et le chemin resserré et resserre l'homme. Et si cela resserre l'homme, crie, mais je vais mourir, mais je vais mourir, mais je meurs, et ma vie, qui va me secourir? C'est ce que Jésus est en train de dire. Parce que celui-là vit des situations difficiles. La porte est étroite, resserrez le chemin. Viens voir. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin qui mène à la bénédiction. Le chemin qui mène les gens dans une grande joie. Le chemin qui mène dans l'élargissement. Ce chemin, il n'est pas spacieux. Il est resserré. Il est étroit. Et sa porte est étroite. Ce n'est pas une simple affaire. Viens voir. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui arrivent à trouver ce chemin. Et parce qu'il y a trop de douleur là-dessus. La vie amère. Mon frère, ma soeur, plusieurs ne désirent pas ce chemin. Mais c'est quoi donc? L'Éternel est pour nous. Et que dites-vous? L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, il le fera. Mon frère, ma soeur. Et pourquoi est-ce que l'Éternel ne le fait plus? Mais où est-il l'Éternel? D'ailleurs, j'abandonne cette église. Et moi, je vais rester à la maison. Mon frère, ma soeur. Le chevet qui va te mener dans la vie éternelle, il est resserré. Et il y en a peu qui trouvent ce chemin. Plusieurs. Désire être parmi les grands. Et pour qu'il y ait des choses et de la réjouissance tout le temps. Et que nous tous nous retrouvons dans cette ambiance. Cela amène l'homme dans la perdition. Frères et sœurs, voilà la chose. Abraham disait, à quoi connaîtrais-je que j'aurai ce pays ou cette terre en possession? À quoi reconnaîtrais-je que ma vie va s'élargir? À quoi connaîtrai-je que ma vie sera bénie? À quoi vais-je le reconnaître? Frères et sœurs, le chemin étroit Et la porte est resserrée. Et ce sont les indications. Quand tu vis des situations difficiles, alors tu dois savoir que la bénédiction s'annonce déjà. Mais s'il te plaît, pas que tu pratiques le péché et que les conséquences de tes péchés reviennent sur toi, non. Mais de vivre dans la sainteté avant que ton chemin soit resserré. Oui. Alors ce chemin resserré t'annonce que mon enfant, ne crains pas. Tu es sur mon chemin. Bientôt, tu verras que tu t'en es sorti. Mon frère, ma soeur, la question est celle-ci, pourras-tu persévérer? La chose te presse. Cela te presse. Devant, derrière, tout te presse. Ok. Retournons. La Bible dit car Abraham a fini de poser la question à l'Éternel. Et l'Éternel va lui répondre. Genèse, le chapitre 15, le verset 9 maintenant. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. À quoi connaîtrai-je cela que je posséderai ce pays? À quoi connaîtrai-je que ma vie est maintenant spéciale? Et l'Éternel disait tout simplement à Abraham, tu as posé la bonne question. Je vais te le montrer. Les choses dans lesquelles tu le reconnaîtras. Et viens avec une génisse, avec une chèvre, avec un bélier, viens avec une tourterelle et une colombe. Le dimanche dernier, je t'avais expliqué ce que représentait la génisse, la chèvre et le bélier. Et nous avons laissé de côté la tourterelle et la colombe. Et les concernant, je t'avais dit qu'on doit me donner l'autorisation de te les expliquer avant que je le fasse. Car tout est régi par des lois et des principes. Si on ne me l'avait pas permis, je ne pouvais pas t'enseigner ceci actuellement. Car moi aussi je suis soumis à des autorités. À une autorité. Pas de moi-même. Et je ne me suis pas levé de moi-même pour connaître ces choses. On me les a apportés. Alors sois attentif, mon frère, ma soeur. Nous avions vu que la génisse représente Sem, ainsi que ses descendants. Abraham est sorti de Sem. Nous avons vu que la chèvre représente Cham. Et tu connais également les descendants de Cham. Et le bélier représente Japhet. Et tu connais aussi les descendants de Japhet. Maintenant, Abraham apporta ces choses. Et nous avions lu que le verset 10. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Il apporta ces choses, les coupa par le milieu et les mit, et chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il ne partagea point les oiseaux. Le verset 11, il dit: les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Après avoir coupé les morceaux, les oiseaux de proie sont venus et pour s'abattre sur ces morceaux. Ce qui révèle que ces oiseaux de proie viendront s'abattre sur ces trois générations ou postérités. Je vais te montrer un tout petit peu ce que c'est que ces oiseaux de proie. Retournons dans Matthieu chapitre 7. Le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et par la suite, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, leurs comportements, leurs agissements. Et vous les identifierez. Frères et sœurs, voilà les oiseaux de proie. Les faux prophètes. Ils viennent s'abattre sur la vie des gens en leur mentant, en profitant d'eux, en détruisant ces gens, en les anéantissant, et sans qu'ils le sachent. Jésus dit: gardez-vous des faux prophètes. Frères et sœurs, quand ces oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les morceaux, l'Éternel n'a pas crié depuis le ciel. Hey! Rapidement, d'où écartez-vous? Non. L'Éternel avait gardé le silence. Abraham demanda à Dieu: à quoi connaîtrai-je que j'hériterai ou j'aurai en possession ce pays? La première chose qu'on lui a révélée, c'est que les oiseaux de proie sont venus. N'est-ce pas qu'ils voulaient un signe? Les oiseaux de proie viendront. Et l'Éternel ne les a pas chassés. C'est Abraham lui-même qui les a chassés. Écoute-moi bien. Ainsi Jésus dit: et gardez-vous des faux prophètes. Garde-toi, car ils viendront vous séduire. Il vient comme un habit de brebis. Cela veut dire qu'ils se présentent comme des gens de bien. Alors qu'ils sont remplis de mensonges, ils sont remplis de rapines. Ils détruisent l'homme. Ils anéantissent la vie des gens. C'est pour cela que Jésus a dit: gardez-vous. Ainsi c'est Abraham qui s'est levé pour chasser ces oiseaux de proie. C'est à toi de chasser loin de toi ces personnes-là. Ces faux prophètes. L'Éternel ne les chassera pas loin de toi. C'est à toi de les chasser. Et c'est des gens que tu verras tous les jours constamment. Ils vont toujours crier et donner l'obéissance aux gens et donner l'huile d'onction aux gens en amenant les gens en Israël. Ce sont des faux prophètes. Tu dois savoir qu'ils sont des destructeurs. Ils anéantissent ainsi la vie de plusieurs. Alors sois attentif à ceci. Ces oiseaux de proie, que sont-ils venus faire? Chaque morceau qu'ils vont prendre, ils vont le détruire. Pour cela, Abraham, c'est lui qui s'est levé pour se mettre à les chasser. Garde cela en tête. Retournons dans Genèse. Lisons maintenant le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Abraham dit, à quoi connaîtrai-je cela? Et l'Éternel lui a montré ces choses. Le premier signe, c'est les oiseaux de proie. Mon frère, ma soeur, quelles sont tes attentes? Que l'Éternel apportera du coup le bonheur? Que cela va marcher en même temps? Non. Ne perds pas ton temps. Tu vas faire des chemins difficiles. Les choses qui viendront te frapper de face. Et cela va faire couler le sang. Les choses qui vont te briser et qui vont t'affaiblir, et tu vas te lasser de la vie et que tu perds de vue toutes choses et tu diras, mais pourquoi est-ce que je vis encore? Alors tu reconnaîtras par ce signe que tu vas remporter la victoire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? La vie amère, ce n'est pas une simple affaire. C'est l'Éternel lui-même qui a établi ces choses. Et nous allons le voir, la raison pour laquelle il a établi ainsi les choses. Aussitôt, quand Abraham a vu ces oiseaux de proie et qu'il a pris tout son temps pour les chasser parce qu'ils étaient venus en grand nombre, ils étaient là pour prendre les morceaux et pour les manger. Les morceaux disposés de les manger. Les faux prophètes, ils sont là pour tirer profit de toi, pour t'éloigner du chemin du royaume. Et toi tu les as suivis. On te demande de balayer ta maison et de balayer le coronavirus. Et toi aussi, toi, et toi aussi tu es parti le faire. Et toi qui es intelligent, toi, et tu es entré dans cette folie. S'ils sont dans leur champ, ils vont se moquer de toi parce qu'ils savent que tu n'es pas sage. Et parce qu'ils t'y profitent de toi déjà, ils te détruisent déjà. Mon frère, ma soeur, je te le dis, répands-toi. Jésus-Christ a dit, et gardez-vous des faux prophètes. Dieu ne les chassera pas pour toi. Non. Abraham, c'est lui qui les chasse. Il a pris tout son temps. Parce que il n'aime pas vite s'en aller. Abraham chassa de ce côté et ils reviennent par ici. Il les chasse ici et repartent par là. Voilà comment ils se comportent. Si tu n'entends pas parler d'aujourd'hui, demain tu en entendras parler. Frères et sœurs, Abraham était fatigué. Et le soleil aussi allait se coucher. Et il s'endormit profondément. Frères et sœurs, dormir profondément, c'est aussi un signe. Comme un identifiant. Si tu ne l'examines pas bien, peu de temps après, tu vas t'oublier. L'oubli de soi. Et de faire ce que tu ne dois pas faire. Après. Voilà. Abraham dormit profondément. Frères et sœurs. Et fut saisi de frayeur. Voilà les signes. Aussitôt, une grande obscurité assaillit en même temps. Ok. C'est bon. Frères et sœurs, retournons à ce que nous avions lu le dimanche dernier. Le dernier point. Et nous allons retrouver tout ceci là-bas. Ésaïe, le chapitre 6. Nous allons continuer avec le verset 8. Parce que nous avions déjà vu le premier verset. Le roi Osias, nous allons parler de lui plus tard. Le verset 8 dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Ce jour-là, le prophète Ésaïe, il a été préparé, on a passé une pierre ardente sur ses lèvres. Le mensonge détruit. Tenu des propos malveillants détruits. Alors qu'on passe cette pierre ardente sur tes lèvres aussi. Le verset 9. Il dit alors: va et dis à ce peuple. Il s'agit de quel peuple? Les Juifs, les enfants d'Israël. Ok. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Et rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour et pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur. Ne se convertissent point et ne soient point guéris. C'était la dernière lecture faite le dimanche dernier. Frères et sœurs, ces paroles ne sont pas de petites paroles. Et nous voyons que en vérité, la parole de Dieu a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu dès le commencement. Et toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait ne sera fait. Il continue: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est la parole qui renferme la vie, la parole de Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. Il continue en disant: cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Frères et sœurs, voilà la parole. Car tous ceux qui sont des faux prophètes, ils ont une grande obscurité dans leur vie. Et la parole brille en eux. Mais eux, ils ne la reçoivent pas. Parce que leur comportement s'oppose à la parole de Dieu. De la même manière, toi aussi, si tes attitudes s'opposent à la parole de Dieu, alors tu as les ténèbres en toi. Okay. Et j'ai dit la dernière fois, et nous avions dit voir un verset biblique dans Jean chapitre 3, le verset 19. Et retournons là-bas, lisons-le et continuons. Jean chapitre 3. Le verset 19. Il dit que et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oui. Oui. Est-ce que tu vois? Si la personne n'a pas voulu se convertir, cela veut dire que la lumière ne l'a pas éclairée. Elle a refusé la lumière. Si celui-là vit dans l'hypocrisie et se présente devant les hommes comme quelqu'un de bien ou comme quelqu'un qui dit la vérité, alors que et il fait semblant. S'il quitte, de là il s'adonne à d'autres pratiques. Cela veut dire qu'il n'a pas la lumière en lui. Continue. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait ce qui est mal, celui-là est la lumière. Il ne la désire pas. Parce qu'il n'aime pas se débarrasser du mal qu'il fait. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il ne vient jamais à la lumière. Chaque fois il se cache dans ses paroles, dans ses comportements. Il se cache, il cache réellement ce qu'il fait. Et il ment tellement. Et parce qu'il est la lumière, si les gens voient ce qu'il fait, ils vont le réprimander. La chose est à droite, il dira que c'est à gauche. Voilà comment ça se présente. Parce qu'il est la lumière. Et le verset 21 dit mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées et parce qu'elles sont faites en Dieu. Oui. Celui qui agit, c'est celui-là qui aime la lumière. Il vient à la lumière et il clarifie tout. Il dit la vérité. Comment la chose se présente, il le dit. Et s'il commet une erreur, il le dit en même temps. Mais j'ai fauté. Montre-moi le chemin à prendre. C'est là la lumière. Frères et sœurs, examine bien ces choses. Retournons maintenant dans Ésaïe. Le verset 11 dit je dis jusqu'à quand, Seigneur? Cela veut dire de rendre, de boucher les yeux de ce peuple, de rendre insensibles leurs oreilles, de fermer leur cœur. Ainsi, même s'ils voient, qu'ils n'arrivent pas à saisir, s'ils entendent, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et leur cœur ne croira en rien, ne croira point en la vérité. Seigneur, jusqu'à quand cela va-t-il cesser? Il dit, et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Ok, oui. Esaïe demandait à l'Éternel, s'il te plaît, et si on bouche les yeux des enfants d'Israël, cela veut dire que ce qu'on dit ici, depuis ce jour, tout enfant qui naîtra sur la terre d'Israël, ou chaque enfant de Dieu qui naîtra des enfants d'Israël, ils verront sans réellement voir. Leurs oreilles n'entendront pas bien. Leur cœur sera insensible. Tout le monde. Voilà comment ils seront. Ils ont dit, oh Seigneur, jusqu'à quand pour que leurs oreilles s'ouvrent à nouveau et qu'ils recouvrent la vue, et que leurs oreilles entendent maintenant. Et l'Éternel a dit, jusqu'à ce que le pays soit dévasté. Hein? Ah bon? Jusqu'à la fin du monde. Ok. Frères et sœurs, nous sommes venus à quelque chose. Ouvre tes oreilles et comprends ces choses qui sont très importantes. Israël, tout Israël, on a demandé qu'on bouche leurs yeux et de fermer leurs oreilles, d'endurcir leur cœur. Ils ne comprendront plus rien. Ok. Maintenant, nous allons voir le premier exemple. Et sois attentif. J'aimerais te faire savoir ce que Abraham avait demandé à Dieu. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et Dieu lui a dit tout cela, d'apporter une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et une colombe. Et il les fit venir. Et il les a divisés. Et il les coupa par le milieu et les posa par morceaux l'un vis-à-vis de l'autre. Aussitôt, il vit des oiseaux de proie arriver pour s'abattre sur les morceaux. Pas que les oiseaux de proie volaient et passaient tout simplement, mais ils s'abattirent sur les morceaux et pour prendre ces morceaux et les manger. Et Abraham s'est mis à les chasser. Et le soleil allait se coucher. Abraham tomba dans un sommeil profond. Et aussitôt il fut saisi d'une grande frayeur. Et l'obscurité vint l'assaillir. C'est dans ces choses-là qu'il connaîtra qu'il possédera effectivement ce pays. Alors sois attentif. Maintenant, quand l'Éternel des armées a mis en place ce programme d'avance, il s'est dit, je vais tester et prouver d'abord ceci. Nous avons vu que l'an 758 avant Jésus, Dieu parla de ceci au prophète Ésaïe. Et moi aussi je te le dis, depuis le jour où je me suis converti et j'ai accepté Jésus pour devenir pasteur plus tard, et passer par des écoles théologiques pour faire d'autres études après, ces paroles que je suis en train de prêcher actuellement, je ne les ai jamais entendues de la part d'aucun autre pasteur. J'ai lu beaucoup de livres. Je n'ai jamais trouvé ces choses-là dans ces livres. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Si tel est le cas, cela veut dire que dans ce temps-ci, que Dieu est venu révéler ceci à Ésaïe 758 ans avant Jésus. Et maintenant, en 2021, Dieu a dit, je vais révéler à vous aussi ceci. Nous lisons souvent ceci dans Ésaïe, mais nous ne savions pas que tel était sa véritable essence. S'il te plaît, écoute-moi bien. Maintenant, Dieu est en train de révéler une partie de la chose. Car il a constaté que s'il ne faisait pas ceci, quelque chose va arriver. Et qui détruira l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Que cela va tout détruire. Écoute-moi bien. Frères et sœurs, pour cette raison, Dieu, quand Abraham avait posé sa question, et Dieu lui a montré et révélé les choses qui vont lui permettre de savoir qu'il entrera en possession de ce pays. Et Dieu l'a fait vivre la chose lui-même. Les animaux que l'Éternel a demandé, il est venu avec. Et c'est lui qui les a tués et mis en morceaux. Et c'est lui qui les posa également. Et les coupa par le milieu pour les déposer. Peu de temps après, les oiseaux de proie sont venus. Et les a vus lui-même. Et c'est lui qui s'est levé pour les chasser. Abraham, aucun serviteur ne l'avait aidé. S'il te plaît, écoute bien ces paroles. Et le soleil allait se coucher. Abraham s'endormit profondément. Il fut saisi de frayeur. Aussitôt, une grande obscurité l'assaillit. Abraham a tout suivi. L'Éternel disait donc quelque chose. Que c'est ce que je ferai pour protéger mon alliance entre toi et moi, afin qu'elle ne soit pas détruite. Si je ne le fais pas, tout sera détruit. Pour cela, tes enfants, Ils s'endormiront. Mais nous allons le laisser de côté. Maintenant, voyons un exemple. Le premier. Allons dans Genèse, le chapitre 27, à partir du premier verset. Frères et sœurs, nous sommes venus à quelque chose d'important ici. Genèse chapitre 27. À partir du premier verset, il est dit. Ainsi, Isaac cou amagade dit, ayez un peu un coup de tio à l'Ebena, megalenouk pom ola, ayez via kuito et saou, bonebena, vigne, et donc nebena, nyanyesi. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Alors sois attentif. Isaac, devenu vieux, Abraham a vu que quand le soleil allait se coucher, je t'avais dit la dernière fois que le monde alla vers sa fin. Le monde en allant vers sa fin, afin que tout le monde, si la personne est déjà foragée et vieux, par exemple, ou vieille, cela veut dire que son soleil se couche déjà. S'il te plaît, écoute-moi bien, comprends tout ceci. Hey, frères et sœurs, Isaac, quand son soleil allait se coucher, Dieu avait fini de révéler ceci à Abraham. Et l'Éternel va tester maintenant la chose. Frères et sœurs, si on finit de faire les vaccins, on le teste d'abord pour voir son efficacité. Les scientifiques, en toute chose, surtout dans le domaine scientifique, on teste toujours les découvertes pour voir si cela va être efficace. L'Éternel a mis à l'épreuve ou a testé ce qu'il a révélé à Abraham. C'est pour cela que je t'ai dit, tu n'as jamais entendu cela. Alors, sois attentif et comprends-le. C'est ici que tu sauras que certains des événements qui arrivent dans ta vie, c'est juste un test auquel on te soumet. Mon frère, ma soeur, sois attentif et comprends-le. Pour cela, le soleil d'Isaac se couchait déjà. Cela veut dire qu'il est vieux. Et il tend vers le crépuscule. Et la Bible dit, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Abraham, dans le sommeil, le soleil allait se coucher, Abraham s'endormit. Il fut saisi de frayeur. Et il fut assailli d'obscurité. L'obscurité l'assaillit. Qui peut voir et distinguer dans l'obscurité? L'obscurité qui a assailli Isaac, c'est qu'il ne voyait plus. Alors sois attentif, car l'Éternel a tout préparé. Isaac ne voyait plus. Maintenant, l'Éternel a dit, la Bible a dit, Abraham fut saisi de frayeur. Pour cette raison, par la suite tu verras qu'une certaine frayeur avait saisi aussi Isaac. Pour cela, il a appelé Esaü. Esaü répondit, me voici. Alors sois attentif. Je t'avais dit la dernière fois que Esaü est représenté ici par les oiseaux de proie. Oui. Frères et sœurs, ne pense pas que les oiseaux de proie sont loin de toi. L'oiseau de proie n'est jamais loin de l'homme. Et c'est ce que plusieurs oublient dans leur vie. Parce que tu as oublié, l'oiseau de proie viendra et prendre les choses et s'en aller. Et parce que l'oiseau de proie est tout près de toi, et il va s'abattre sur la chose et partir et pour le détruire. Ainsi Jésus a dit, gardez-vous, gardez-vous. Ok. Viens et voyons. Le verset 2. Isaac dit, voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Mon frère, ma soeur, selon toi, qu'est-ce qui a animé Isaac avant qu'il parle de ceci à Esaü? Il disait, Esaü, je suis vieux. Isaac ne voyait plus. Il appela son fils Esaü. Esaü, où es-tu? Il dit, me voici. Il lui a dit, je suis vieux. Je suis vieux maintenant. Je ne sais quand est-ce que je vais mourir. Cela veut dire qu'il y avait une certaine crainte dans sa vie. Et Dieu, dans son silence, voyait tout. Le verset 3. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Ceci, nous l'avions lu plusieurs fois. C'est une histoire connue. Mais nous voyons quelque chose là-dedans que tu n'as encore jamais entendu. Isaac dit à Esaü, et prends tes armes et va chasse-moi du gibier. Oui. Dans les champs. Le verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Frères et sœurs, va, tue un gibier et reviens avec. Et prépare un mets comme j'aime et que j'en mange avant de mourir, car je dois te bénir d'abord avant de mourir. Sois attentif. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'oiseau de proie est en train de frapper déjà Isaac. Sois attentif et comprends ceci. Sais-tu, nous avions lu quelque chose dans Job chapitre 4, le verset 17. Retournons là-bas, voyons quelque chose et revenons. Job 4. Le verset 17 dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Et serait-il pur devant celui qui l'a fait? L'homme, comment est-il? Est-il pur devant Dieu? Continue avec le verset 18. Et si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, oui. Okay. Verset 19. Et combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. L'Éternel ne se confie point en ses serviteurs. Combien plus à un homme tiré de la poussière. Verset 20. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. On les brise du matin au soir, et ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Et voilà ce que Esaü a fait à son père Isaac. S'il te plaît, écoute-moi bien. Pour cette raison, Isaac était décidé de bénir Esaü. Écoute-moi bien. Quand on les brise du matin au soir, ils périssent et disparaissent. Et nul n'y prend garde. Isaac ne devait pas appeler Esaü pour lui dire d'aller chasser du gibier et de venir lui préparer le lait comme il aime et d'en manger avant de le bénir et de le bénir avant de mourir. Car ce qu'il avait et qu'il voulait donner à Esaü, cela venait de l'Éternel, qu'on avait donné à Abraham, et que Abraham avait transmis à Isaac. Alors écoute-moi bien, comprends quelque chose. Retournons dans Genèse, le chapitre 27. Et sois attentif. Frères et sœurs, l'Éternel connaissait cette parole. Il ne pouvait pas se confier en l'homme. Pour cela, ce qu'il avait montré à Abraham, il voulait soumettre tout Israël à cela. John Irkanus dit. Te rappelles-tu de Jean Irkan? Parce qu'on a fait venir les descendants d'Esaü. Et parce qu'il les avait battus durant la guerre. Cette guerre que l'Éternel leur avait interdit de faire. Oui. Hey. David ha. Quoique David aussi avait mené ce combat et qu'il les avait battus. Mais il ne les a pas fait venir, et tout comme Jean Irkan l'a fait. Et il leur a permis de garder leur identité édomite. Mais dans ceci, quand on les a amenés, il a demandé qu'on les fasse circoncis. Alors ils sont devenus maintenant des enfants d'Israël. Antipater l'avait dit au souverain sacrificateur. Que ta fille épouse mon fils. Et il lui disait tout simplement. toi, Antipater, ta conduite, tous les conseils que tu nous donnes, et que nous tenons compte de cela, nous réussissons dans tout cela. Tu ne nous as jamais trompés. Tu ne nous as jamais égarés. Nous avons toujours réussi en appliquant tes conseils. Si tu me demandes de donner la main de ma fille à ton fils, mais c'est une bonne chose. Et si je ne donne pas ma fille en mariage à ton fils, à qui vais-je donner ma fille en mariage? Et qui sera comme toi? À qui? Pour cela, je te le dis, je suis d'accord. Ton fils Hérode, qu'il épouse ma fille. Oui. Antipater disait dans sa tête, il n'est pas sage. Il dit qu'il est souverain sacrificateur, mais il n'est pas sage. Oui. Pourquoi n'est-il pas sage? Parce qu'on a ôté la sagesse de frères et sœurs. N'allons pas se presser, n'allons pas nous presser quand il sera l'heure. On va s'arrêter, il est presque l'heure. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. L'Éternel des armées savait que s'il confiait totalement cette alliance faite avec Abraham sous le contrôle des enfants d'Israël, ils vont la donner à quelqu'un à qui ils ne devaient pas le donner. Alors tout sera détruit. Tout sera totalement détruit. Le dessein de Dieu sera détruit. Le programme de Dieu sera détruit. Il n'y aura plus rien à faire là-dessus. Alors Dieu doit reprendre à nouveau et laisser tout ce qu'il a initié et reprendre. Pour cette raison, l'Éternel est décidé. Israël aura les yeux bouchés et ne comprendra plus. Il ne coûtera plus. Son cœur sera endurci, il ne sera pas sage. Alors l'Éternel a fait tout sortir d'eux. Mais du temps de David, ils étaient sages. Oui. Il y avait la sagesse. David n'avait pas amené les Édomites à se faire circoncis. Jamais. Et parce qu'il protégeait l'alliance de Dieu. Mais jusqu'à ce niveau, en 758 avant Jésus, la chose était totalement corrompue. Alors Dieu envoya sa main et il retira d'eux son alliance. Je te le montrerai plus tard, celui à qui il avait confié. Frères et sœurs, il y a beaucoup de mystères, de choses cachées. Et je te l'ai dit, mes os tremblaient. Oui, c'est sans précédent. Ce n'est pas une petite chose, ceci. L'Éternel des armées, Isaac, il appela Esaü, lui demandant d'aller chasser du gibier, de lui préparer un mets pour qu'il mange, et qu'il va le bénir avant de mourir. Antipater a tout fait pour que son fils Hérode épouse la fille du souverain sacrificateur. Et maintenant, bien quand ils sont bien établis, Hérode se leva et a massacré la race sacerdotale, la race du sacrificateur sur la terre d'Israël. Il les a fait périr tous. Et lui-même, il a pris le trône d'Israël. Et les fils d'Ésaü, les descendants d'Ésaü, sont rentrés dans le sacerdoce sur la terre d'Israël. Mon frère, ma soeur, Et pourquoi? Parce que il se disait, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas moissonner. Mais je ne vais pas expliquer cela aujourd'hui. Souviens-toi, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Il nous reste à peine 15 minutes. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. L'Éternel est si grand. Il savait que cela allait se passer. Et regarde comment il a commencé. Depuis Isaac. Oui. Oui. Par cela, l'Éternel a permis que l'obscurité arrive dans la vie d'Isaac, qu'il soit aveugle et qu'il ne voit plus. Oui. Et il appela Esaü. Parce que c'était dans le cœur d'Isaac. Et pourquoi? Et parce que Esaü a été subtil en utilisant cette stratégie de chasse pour avoir son père. Avant qu'on parle de cette bénédiction, Esaü avait tué Nimrod. Un grand roi. Nimrod, il n'était pas un petit. Et Nimrod, ce n'était pas une petite chose. Mais c'est Esaü qui tua Nimrod. Et tu as aussi certains de ces généraux. Et parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas toute l'armée de Nimrod qui sortit avec lui. Si un président dans un pays, il dit, je vais prendre un peu de l'air quelque part. Il y a des gardes-corps qui vont le suivre. Mais toute son armée ne vient pas après lui. Alors les gardes-corps suivaient Nimrod. Ils étaient là-bas. Et Esaü est parti. Et a fait mourir Nimrod. Et il a fait mourir tous ses gardes-corps. Et il est parti. Et personne n'a jamais su. En même temps que c'était Esaü qui tua Nimrod. Frères et sœurs, alors le fait que Esaü soit un chasseur lui a permis de connaître beaucoup de stratégies. Esaü l'avait déjà en tête qu'il doit recevoir une bénédiction de son père et de traiter durement Jacob. Alors quand son père l'a appelé, il était content. Et pourquoi? Parce que il est un oiseau de proie. Il a déjà frappé son père. Il a déjà attaché son père à sa personne. Et tout ce qu'il cherchait, il va le trouver déjà chez son père. Parce qu'il l'avait déjà à sa merci. Il l'avait eu à sa merci. Partout où se trouve un chasseur, il fait la lecture de son environnement et pour voir ce qui se passe dans son environnement immédiat et comment poser ses pas. Et partout où il passe, il veille en sorte qu'il n'ait fait du bruit pour alerter les hommes et qu'on sache que c'est lui qui passe par là. Ainsi donc il a tout planifié. Et il a attiré son père et a fait en sorte qu'il ait un goût pour les gibiers. Et il a pu avoir Isaac à sa merci. Isaac, lui, ne savait pas que c'était l'objectif. Il avait à sa merci. C'est pourquoi la Bible dit que Isaac aima Esaü. Parce que l'oiseau de proie l'avait déjà frappé. Mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves, souviens-toi que l'oiseau l'oiseau de proie va venir. L'oiseau de proie va s'approcher de toi. Il viendra dans ton lieu de travail. Il viendra au marché. Il viendra dans ta maison. Partout tu seras, il viendra. Alors sois vigilant et garde-toi, car il veut s'abattre sur toi. Mon heure a sonné et nous allons prier. Mets-toi debout maintenant. Yes, yeah, like Belemania, eh, me gagne, yeah, like Bewo. Yes, yeah, like Belemania. La bé, la bé, oh, yes, yeah, la belle manière, oh, mais gagne, yeah, la bé, oh, yes, yeah, la belle manière, oh, la bé, ma voix, yes, yeah, la belle manière, eh, mais gagne, yeah, la bé, oh, yes, yeah. Mon frère, ma soeur, prie maintenant. Dis-le au Seigneur Jésus. Mais ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Les oiseaux de proie volent déjà. Les faux prophètes, ils veulent s'abattre sur le prophète. Je détruis le syllabus des gens. Éternel, je t'invoque en ce instant. Alors dis-le-lui, ces oiseaux de proie, ils veulent détruire la vie des gens. Et Saül a déjà détruit toute la vie de Jacob. Et de Jacob pour l'abattre et pour la bénédiction. Et tout ce que l'Éternel lui a remis par Abraham, de prendre tout. Éternel, tu es le grand sage et tu éprouves les choses et fais grâce à tes serviteurs. Alors dis-le, mon Dieu, je t'invoque en ce temps, mais je s'ouvre désormais afin que j'arrive à distinguer car les ténèbres ont envahi ma vie. Aujourd'hui je suis sorti de l'obscurité et je suis entré dans la lumière. Une nouvelle chose s'est produite dans la vie. Le miracle s'est opéré dans ta vie. Éternel, 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 je t'invoque en cet instant que le miracle s'opère dans ta vie, que la lumière m'éclaire, que la lumière m'éclaire et que les ténèbres disparaissent, toute obscurité dans ma vie et qu'elle s'évanouisse. Aujourd'hui je suis entré dans la lumière de Dieu et j'ai mis la parole dans mon cœur. Et la parole agit dans ma vie. Je marcherai dans la vérité. Et la puissance de la parole me sauvera. La puissance de la parole me sauvera. Éternel, je t'invoque en ce instant, car aujourd'hui et ce jour, je ne serai plus une proie pour le diable. Le diable est venu et pour prendre tous ceux qui ne sont pas de cela. Éternel, je t'invoque qu'en cet instant, ouvre les yeux de tes enfants pour qu'ils arrivent à discerner dans le nom de Jésus-Christ tout oiseau de proie tel qu'Abraham les avait chassés. De la même manière nous les chassons aujourd'hui. Tout oiseau de proie, que le feu descende sur vous et qu'il vous chasse totalement. Nous vous détruisons totalement dans le nom de Jésus. Les braises de l'Éternel sont tombées sur vous. Aujourd'hui à ce jour, l'Éternel écoute nos prières. Satan l'a planifié. Il a planifié sérieusement de détruire. Mais l'Éternel s'est levé et tous ses ennemis sont dispersés. Aujourd'hui à ce jour, nous t'invoquons Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans les détresses. Nous savons tout simplement. La persévérance produit l'affermissement. Et l'affermissement, on n'est jamais confondu. Pour cette raison, à partir d'aujourd'hui, on sera affermis. Nous sommes affermis dans le nom de Jésus-Christ. Le dessein de l'Éternel, et il est manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, pose ta main sur tes enfants. Le dragon s'est levé et pour détruire, coupe sa tête. Le nom de l'Éternel coupe sa tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous les foulons tous au pied. Nous les détruisons tous. Tout ce qu'ils s'apprêtent à faire, cela n'arrivera pas. Seul le dessein de Dieu va se réaliser. C'est la puissance de Dieu qui agira. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Merci à toi. Car tu nous aimes et tu ne veux pas notre force. C'est accompli par nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Du fardeau de péché indulent. Donc la main de Jésus m'a touché et maintenant je ne suis plus comme avant. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Et oh, que le jour remplit mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché et m'a restauré. Notre Dieu, nous te disons merci. Car en ce jour, nous voyons ta grandeur. Tu n'abandonneras pas tes enfants à la merci des oiseaux de proie et pour les détruire. Aujourd'hui, les yeux des enfants de Dieu sont ouverts afin que chacun acquiert la connaissance, que chacun trouve son avancement, que chacun son antidote de force. Tu as dit invoque-moi. Les genoux faibles qu'ils soient affermis. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tous les mauvais desseins sont changés. Et le dessein de l'Éternel agira pour nous. Merci à toi. C'est accompli pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la présence de l'Éternel sera effective pour toi. Et te gardera. Il te fera grâce. Et les oiseaux de proie ne te frapperont pas. Tu seras en toute sécurité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique. Et nous allons nous dire au revoir. Yesu ye lagbele menye, ae me ganye nye lagbe o. Yesu ye lagbele menye, amen. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Que l'oiseau de proie ne vienne pas te frapper. Que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Amen. Bye bye. Au revoir. Okay. Tia rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tia rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni pale ki ka yo klaba. Mikana